bonsoir, madame, mademoiselle et messieurs. Bienvenue à cette belle deuxième émission de, directement de la Foire Bière et Culture. Alors, ce soir, un spectacle magnifique pour vous. On espère que vous allez vous amuser, vous, à la maison, ainsi que le public présent. Écoutez ça, on est de bonne humeur! Et ce soir, on vous amène directement à un party de gars. Les gars, vous êtes en forme? Oui, toujours. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, place à la musique et amusez-vous. Bonne soirée. Yeah. T'as jasé ton père pis moi, pis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça. T'es plus le garçon que j'ai si bien élevé. Tu sèches tes gouttes de commencer à fumer. Peux-tu bien me dire ce qu'on va faire de toi? Tes amis, c'est pas des gens à fréquenter. Quand ils ont pas les cheveux longs, ils ont les anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont eu une mauvaise influence sur toi. Mais tu sais, mon cœur, on t'aime encore. On veut juste pas qu'il t'arrive de temps. Mais surtout, c'est que les voisins, ils commencent à jaser. T'habiller, tu sors devant le monde avec tes gilets troués. T'écoutes plus des records, la famille c'est mort. Tu t'achètes plein de disques avec du nom de mort. Puis ta musique tu diores, mais tu l'écoutes trop fort. L'autre jour on t'a pogné les culottes baissées avec ta petite Julie, la rivière blondée. Ça va bien? Yes! Hey, à soir, là, c'est notre soirée. Les femmes, vous avez le droit de participer quand même. Mais parlez pas. C'est ça. C'est ça. Monsieur, s'il y en a une qui parle, là. On boira pas toujours de l'eau, on n'est pas des grenouilles. Tu t'en vas de ta bouteille d'eau, toi? C'est le festival, la bière. C'est le nouveau party de gars, c'est comme ça que ça marche. J'en viens de rouiller, moi, là. Non, mais il appelle ça le festival de la bière. Ah, pardon de ça. Bière, brou et bouffe. Ah, allez, oui. Le lunch en vient après. Le lunch? Non, non. Vous prenez vos bières à la place. Mais qui dit que c'est de l'eau qu'il y a là-dedans? Oh, fais pas de la belle ouvrage! On n'est pas des farfadets.
Toi, Stéphane, ça va bien, Trois-Rivières? Ben oui, ça va bien certain. Je suis content d'être ici. Tantôt, j'ai rencontré un monsieur, il avait l'air chercher quelque chose. Je m'en vais loin, cherchez-vous quelque chose? Il dit, oui, je cherche ma femme. J'ai dit, oh, t'as de l'ambition. Là, j'ai demandé, qu'est-ce qu'elle a, ta femme? Il dit, 37. Il dit, toi aussi, tu cherches ta femme? Je dis, oui, ben, je dis, qu'est-ce qu'elle a? Il dit, 36, 24, 36. Il dit, la tienne, je laisse faire la mienne, on cherche la tienne. Puis toi, Réal, Ouais, c'est quoi? Il se passe quoi par chez vous? Ah, oh, il se passe. Mes poules sont mortes. Sont toutes mortes. Elles sont toutes mortes. Oui, il me restait une petite poule, puis un petit poulet, puis ils mort, sont morts après-midi. C'est triste, hein? C'est triste. Oh. C'est triste. Il me restait qu'une dinde, là. Non, non, sérieux, sérieux. Dans le congélateur. Dans le congélateur, elle est prête pour Noël. Ah! Oui, moi, donne une petite tonne. Hey, chante-moi, qu'est-ce que ça te tente de chanter? Qu'est-ce que ta blonde veut pas que tu chantes d'habitude? Je cherchais une femme tout à l'heure, tu sais. Je cherche une femme aux yeux bleus, avec de beaux gants, cheveux blonds. Je la prendrai dans mes bras et je lui dirai tu vas. Et je cherche une femme aux yeux bleus. Let's go. Maintenant pour moi, tout a changé. J'ai perdu la seule que j'ai aimée. Mais j'espère qu'un jour, elle me reviendra et qu'elle sera ma femme aux yeux bleus. On chante ensemble, mes amis. Je cherche. Merci, Joe. T'as la bonne franquette? Ouais, bonne franquette, hein. Tu sais, tu blâmes mes mères, j'improvise un peu. Je cherche une femme aux yeux bleus. Oui. Ah, moi, je sais qu'une femme, une femme, c'est comme des breaks de char. Oui. Quand elle commence à crier, il faut échanger. C'est pareil comme ma guitare, hein, jamais d'accord. Non, non, mais ils vont des chants, tabarnouche. Y en a-tu des affaires? Y en a-tu des affaires? Il a dit que les femmes, les choses, les femmes, c'est écœurant. Non, non, des minous, y en a-tu des minous en soir? C'est écœurant! Ça sent le minou. En ce cas, ici, on a une draft, là. Je comprends ça à TV. Hey, Joe! Yes, sir! Ça va comment dans ton coin, toi, là? Hey, ça va super bien. Ouais. Hey, tout à l'heure, quand j'étais arrivé, je débarquais de mon char. Je suis passé en arrière et je marchais de même. En arrivant, les cloches de l'église sont maçonnées. Hein? Je voyais, non, pas obligé d'en mettre tant, là, c'est correct. Tu sais? Mais ça s'est maçonné. J'ai dit, ma femme, quoi, au lieu de pas plus haïs, cette fois. Mais je m'emmenais d'un petit pas feudré. Hein, ouais. C'était pas les glas? Les quoi? Les glas. Les quoi? Tu connais pas ça, les glas? Connais pas ça. Dans ton coin de pays?
Non. Non. Ben non. C'est quoi des glaces? Parce que dans mon coin de pays, nous autres, on pêche. Ah, vous pêchez? Ben oui, on pêche. Puis ils pognent des poissons longs comme ça. Ouais, ouais. Longs comme ça. Comme ça. Des calots? Il y a bien ça, comme ça. De belles histoires racontées à la parenté. Et tes histoires de pêche que tu nous contes à l'heure du souper. T'es parti sur ton lac une belle journée, un dimanche après-midi. T'as rencontré le plus gros poisson que t'avais vu de ta vie. On y va! C'était l'histoire du pêcheur. Ça me fait penser ça, quand on parle d'un lac, là. Ça me fait penser à une histoire, ça. C'est une histoire que mon oncle il me contait. Il dit, c'était un gars qui rentre d'un restaurant, il était tremble jusqu'à la taille. Puis là, la fille, elle va le voir, la serveuse, elle dit, « Colin, t'arrives de où? » Il dit, « J'arrive du lac, j'ai été chercher du bois. »
Il y en a un autre qui rentre, il était tremble jusqu'au cou. La fille, elle va le voir. Elle dit, t'arrives de où de même? Ah, j'arrive du lac, elle était chercher du bois. Il y en a un autre qui arrive, était tout trempé, il chéquait. Elle dit, t'es chercher du bois? Non, c'est moi du bois! Une chance, t'as pas dit du buis. Hey, moi, je lèverais un toast. Un toast avec de l'eau. Un toast avec de l'eau. Un toast. Un toast. À la superbe été qu'on a. Oui. Hey, merveilleux. Ça, c'est un été. Hey, j'ai pas de bière, moi. T'en veux-tu une? Ben oui, j'en veux une. N'as-tu un autre? Passe ça à l'autre. Non, okay. C'est le festival de la bière, hein? Bière, brou et... Ça à l'eau. T'en veux-tu un autre? Ben, j'en prendrais ben, pas un autre, une. Moi, après une, là... Moi, Lynn, elle me dit... J'en ai un autre après. Je suis pas là à soir le watcher. J'ai vu ton bonsoir, tu peux en prendre deux. Je lèverai un toast à la magnifique été qu'on a. Oui. On a toute qu'une été. Hein? Ça a mal commencé, il mouillait. Là, il mouille plus. On dit un santé été. Santé tout le monde. Il y a quand même eu des inondations. Hein? Mais il y en a eu, pas par ici, mais il y en a eu à Sainte-Marthe. Là. Il y en a eu, c'était épouvantable. Tu sais, quand c'est rendu que la boucherie devient une poissonnerie. Tu vois, Claude, en marche ta joke. Comment tu veux que je prenne une gorgée? Je vais chez elle, elle était si petite. Mais un jour, tout a chaviré. Elle était belle, elle était mince. Elle me fait pleurer. Non, 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 ne la laisse pas mourir. Elle a tant de choses à faire. Pourquoi partir? Non, 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 ne la laisse pas s'endormir. Je t'envoie mes prières.
Hey, mais toi, mon Steph, là. Yeah, c'est moi, ça. On te voit pas mal souvent sur Facebook, hein? Oui, oui, pas mal. Ben, des fois, on te reconnaît pas toujours, là. Des fois, je prends une autre voix, une autre personnalité. Ben, c'est ça que mon médecin me dit, que je souffrais de dépersonnalisation. Parce que moi, j'ai jamais pratiqué une imitation de ma vie, non. Ça arrive comme ça. Quand je rencontre une personne sur la rue, n'importe où, je prends sa voix, sa personnalité. Moi, j'ai un petit hamster dans la tête qui tourne. À un moment donné, il se couche sur le dos et il se liche à bédaine. Tu deviens la personne? Ben, je deviens la personne, ça dépend. Je peux me mettre une perruque, je ressemble à l'autre. Je peux ressembler à n'importe qui de même. Ça te tente-tu de ressembler à celle-là? Ben oui. I hear the train is coming, it's rolling around ahead, and I'll see the sunshine. I don't know where I'm starting for some prison, and time keeps dragging it on. But the train keeps rolling, and I'll descend. Yeah. We're not. Lève la voix, Steph, un petit peu, s'il te plaît. Ah oh oui, mais ça à 3-4. J'entendais cette belle voix-là. Waouh, c'est la première fois que j'entends une version comme ça. Bravo. Merci. Il est vraiment bon. Mesdames et messieurs, on lui donne une bonne main d'applaudissement. Honnêtement, vraiment bon. Merci. Moi, là, je suis comme le petit mouton noir dans la gang à soir. Mais je trippe en maudit. T'sais, absolument, je fais des spectacles d'humour, mais je suis avec une belle gang comme ça, des musiciens formidables, des gens fantastiques. Merci les gars de me donner cette chance-là d'être avec vous autres. Ça, c'est la bière qui peut faire ça. On m'a broyé dans 2 minutes. Et comme dirait la belle Ginette Renaud à Jean-Pierre, Jean-Pierre, on fait des chansons, on oui, a du plaisir. Ginette. Oui, Ginette. Ah, ça, c'est vrai, t'as bien raison. Hein?
On a du plaisir, on se frotte pas. T'imagines-tu si on se frotterait? Les gars en arrière ont du plaisir. Ils ont les cheveux dans le vent, tout près de la Gaspésie, vous savez. Tiglidam, tiglidou. Oui, oui, j'ai les cheveux. Pendant que ça se tient, on va jaser. On t'a-tu dérangé, oui, puis... Tu veux-tu leur peindre? On l'a pas pogné à dormir, nous autres. Tu veux faire? OK, on va leur faire. Non, mais Yves, il m'a dérangé en me posant une question. Puis. Je parlais de sa femme. Il manquait un bout de chaud. Ça parle toujours des femmes en arrière. Vous savez ce que c'est, les gars, hein? Non, mais tantôt, tu disais que tu prends... Quand tu rencontres quelqu'un, tu prends le personnage de la personne. Ouais. Tu deviens la personne. Exact. Fait que tu pourrais devenir moi. Ouais, tu pourrais devenir toi. Ouais, mais tant que tu parles pas avec ma femme, moi, ça me dérange pas, là. C'est... Je suis marié. Ah, OK, c'est bon. Non, mais pas fidèle. C'est réglé. Dis ton nom. Mon nom? Ouais. Mon nom? N'y es-tu? Non, je n'y es-tu. OK, on va continuer. OK, on va continuer. Ça, c'est hot, ça. C'est dans les basses. Oui, je suis si seul ce soir, je me souviendrai. J'aimerais tant que tu sois auprès de moi. Dans cette triste chambre au nord de ma province, j'ai vieilli un an de plus ce soir sans toi. À cette table, je t'écris ces quelques mots. Je pense à toi et je revois mes 20 ans. J'ai vieilli un an de plus ce soir sans toi. As-tu qu'il avait vu le party de gars dans les émissions du kiosque à chansons cette année? Oui. Étiez-vous là quand on l'a fait l'année passée? Vous étiez là quand on l'a enregistré? Oui, OK. Vous aviez aimé ça? OK. As-tu qu'il était là l'année d'avant, le spectacle? C'est quoi qu'il avait eu le coup d'avant? Elvis, OK. Ah, mon Dieu! C'est meilleur cette année. Hey, t'as pas mis ton chapeau de cow-boy? Faut faire celle-là, ben. OK. Parce que moi, je pensais d'embarquer avec des gars qui ont des chapeaux de cow-boy. Ça s'accorde, tu sais. Toi, tu vois pas de l'œil gauche, hein, c'est ça? Non. Pourquoi?
Tu pensais jouer avec des gars avec des chapeaux de cowboy? Ben non, toi, je suis content. Je l'ai dit tantôt. Tu pensais que tu voyais juste à droite? Pour ça, je regarde tout le temps. Regarde pas ce bord-là. C'est pas remarqué. Normalement, Stéphane, t'as fait partie de mon show quelques reprises, fait que là, c'est à toi de parler. Ah oui! Parle pas de la chauve-souris, là. Non, non, pas de la chauve-souris, certain. On a fait un show, parce qu'il y avait une chauve-souris. Je vais le raconter, parce que ce qui était drôle, c'est que je faisais un spectacle d'humour après une gang comme ça qui met le party. Je fais comme tabarouette, hein, c'est jamais vu. Tu sais, habituellement, si tu suis une recette d'un spectacle, c'est l'humoriste, ensuite de ça, c'est les chanteurs, les musiciens, ils mettent la party. Pas le contraire, j'ai fait comme moi. Ça va être bizarre, ce show-là, mais genre, le monde, soit qu'ils partent ou soit qu'ils... Tu sais, c'est pas pareil. C'est non, le monde a resté. C'est parce que t'avais pas catché mon point de vue à moi. C'est ça, exact. C'est moi, ça. J'ai dit, si mettons que c'est pas bon, là. Oui. Mais ils vont rester pareil pour l'humoriste à la fin. Ah, c'est ça, c'est vrai. Yeah. J'avais pas pensé à ça, j'avais trop de respect pour toi. Non, mais on avait eu du fun ce soir-là. Puis là, il y avait une chauve-souris qui est rentrée sur scène. Elle partait du fond, elle s'en venait vers moi, puis elle me fonçait dessus. Il sort avec une perruque, une de mes perruques en arrière, de Danny Verven d'ailleurs. Mais ça, là, il y avait un balai d'un. Mais tu vieux, les gros balais, là, les sorcières, là, les gros balais. La sorcière bien aimée. Ah, il est sorti avec ça, il est au milieu de la scène, il frappait. T'sais. Moi, je courais après la chauve-souris, puis sa femme, elle criait parce qu'elle chante en arrière de moi. Tu sais qu'avec le balai, tu mesurais 6 pieds. Mais. À bout de bras. À bout de brousse. Ouais, c'est ça. Mais on a eu du fun ce soir-là, vraiment une belle soirée. Toujours du fun avec des gens comme nous autres. Hey Joe, moi, j'ai une demande spéciale. T'es sûr, toi? Elle commence comme ça. On le fait ça en même temps? Sometimes late at night, I'll awake while you're sleeping. She's lost a peaceful dream, so I'll turn out the light, living in dark. And a thought crosses my mind, if I'll never wake up in the morning, will she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow
you know I'm a child of turning. Did you try to narrow the way? Show you every day. She's my only one. It ain't my time on earth, true. She must fade as the world without me. Is love getting past? It's gonna be enough to last. If tomorrow never comes, 'cause love once loved ones in my life. You never knew how much I loved them. And I will live don't regret my true feet for you never were. I made a promise to myself to say each day how much it means to me. In a void of circumstance, there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow she know I'm a child of turn. You try to narrow the way, show you every day. But she's my only one. It ain't my time on earth, true. She must fade. Tell that someone that you love just what you're thinking of. If tomorrow never comes. Merci. Merci beaucoup. Merci, Joe. Vraiment une belle voix, hein? Wow. Sais-tu ce qu'on s'est rencontrés la première fois, moi, Pudley? Saint-Tite. Saint-Tite. Avant ça, à 7 heures le matin. Hérouville. Châteauguay. Hey, je me souviens pas de ça. Tu te souviens pas de ça? À 7 heures le matin, on faisait nos vocalistes. L'émission à Véronique. C'est vrai. Tu viens pas de sacrer, toi? Non, je la connais pas. Là, okay. On arrive à l'émission à Véronique là-bas, puis là, on pratique nos tunes avant l'émission, mais là, tu veux la voix qui sort de ça? Là? Hey, écoute. Je pensais que je dormais encore. Non, Joe. Merci, mes amis. Vraiment de belle voix. Wow. Merci beaucoup. D'habitude, moi, quand j'aime le monde, ceux que je travaille avec, je lui redonne l'ouvrage. Ah, ben, toi, t'étais gâté, là, une couple de fois. Je suis content que tu m'aimes. Oui. Mais, non, mais je parle au sens de chum, parce qu'en deux, ben oui, on peut, tu sais, c'est ça, là. T'sais. Parce qu'il faut dire, on va retravailler ensemble encore la semaine prochaine. C'est vrai, le 14 août, c'est en plus, c'est la... C'est une autre party de gars, ça. Ouais, party de gars, mais c'est la date de mon anniversaire de mariage. Hey, ça, c'est... Hey, faut fêter ça. M'envoie d'un camping, me saouler avec des gars. Merci, bon Yves anniversaire Gagnon. Anniversaire Ma vie de famille va être vraiment le fun. Puis Joe, mais on travaille ensemble, nous autres, ouais. Dans deux semaines. Ça va vite, hein? Ah, ça va vite. C'est-tu le 15 le lendemain de moi? Non, c'est le 22. C'est le 22, OK. Puis elle belle chanson-là que tu as chantée, hein, If Tomorrow Never Come. Ouais, c'est la chanson que j'ai mis quand j'ai fait l'entrée. Là. Quand tu te maries, là, tu fais ton entrée avec tes parents. Non, pas cette toune de merde-là. Ça, j'étais pas capable d'entendre ça. Je sais pas. Ça, j'aimais mieux entendre une belle chanson comme ça. Puis... tu rentres, puis tu pleures. Je ne sais pas. Ça, tout fitait à mon mariage. Alors, il y en a un qu'on ne connaissait pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait là.
s'appelait Yves Gagnon. Un autre. Pas le lâcher, moi. Non, il y en a sept, Yves Gagnon, dans la région. Ah, sept? Ah, sept. Des Stéphane Bélanger, ah, il y en a pas mal. Il y en a même un qui fait de la musique, pour ça. J'étais ouais. Ouais, j'étais ouais. Il est-tu meilleur? Ah, c'est pas, je parle pas. Je laisse ça aux autres. Okay. Non, mais il y a même un autre groupe qui s'appelle Honky Tonk Boys. Aux États-Unis? Je te jure, oui. Ils sont pas bons. C'est vous autres les meilleurs, les boys. C'est sûr. Non, mais vous irez voir. Vous irez voir. Si c'est pas bon, c'est pas mon groupe. Vous allez voir. Ils ont, deux, ils ont deux vidéos. Fait que si vous remarquez que le batteur il est assez beef, là, fait que je dis toujours qu'ils sont bons. J'attends d'être chez nous. Puis toi, Réal, c'est quoi la. Voulez-vous une autre petite chanson d'amour, là? Chanson d'amour. Oui. Tu sais que moi, j'ai une vieille âme, hein? Ouais. Je fais rien que des vieilles pièces, des vieux western, tout ça, on vous connaît pour ça. Ben, on aime tout ça, du vieux western. On va essayer d'en sortir une vieille, vieille. Une chanson plate qu'on va s'endormir, mais une chanson qui swing. N'importe quoi. Fais celle que ta femme veut jamais que tu fasses, là. T'as le droit à soir. Oui, OK. Quand je suis tout seul, puis je suis tanné de me passer des... Oui, non, on veut pas que je la fasse, celle-là. Mais... Vous le couperez au montage. Oh, je voudrais, mon amour, savoir si à chaque jour tu serais à mes côtés, à tes traînes de ma bonté. Si mon cœur entre tes mains, reconnais-tu le chagrin? Réponds-moi, ce que tu m'aimes, oh, réponds-moi. Et es-tu mienne? Oui, je suis. Pour toujours, mon chéri, sans retour, à tes traînes. Pour ne craindre pas pour ton bonheur, il aura toutes les douceurs, donne-le-moi pour toujours, mon amour. La petite grenouille, dis donc, comment ça? Bonne chanson! D'avoir un blend de mémoire. Voyons, continue. C'est vous la musique, hein? Voyons, comment venir? Viens t'asseoir près de moi, petite amie. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes. Promets-moi que tu ne seras l'ami de personne que moi. Mon au pays pour traverser les campos bleus. Là-bas, les canons allemands grondent et leurs fusils sèment la mort. C'est pour protéger notre monde qu'il faut aller risquer la mort. Monsieur Paul Brunel. Un beau matin, sur le bord du rivage, à son début, on se reposait. Elle écoutait les oiseaux et les vagues. Dans son petit cœur, elle murmurait tout bas. Merci, le soldat Lebrun qu'il m'a dépanné en poussant ça de même, fais ça. Soldat Lebrun? Soldat. Ah, oh, mais soldat. 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 Faut y jouer, mon carrosse. C'est quasiment la même voix qu'Elvis, ça. Hey, y en a-tu des sans dessin? God, yes, Méo. Hey, d'après toi, Méo, c'est-tu la Floride ou la Lune qui est le plus loin? Hey, c'est-tu que t'es sans dessin? C'est la Floride. La lune, on l'a oui de dire.
T'es un aveugle qui rentre des bords d'une table, d'une chaise. OK. Regardez les niaiseries. Oh yeah! Ouais, ça, c'est bon. Capable à contenter. Ça leur fait, mais c'est fois que je change de peigneux. Elle finit toujours par me dire que je fais dur. Je vais te le répéter. Je peux pas m'empêcher de ronfler. Ta rambo, ben c'est le me pousser, me gifler. Toujours bien pas ma faute. Si tu veux t'épuiser, tu montes à la tête. Je la chante pas à ma femme, celle-là. Non? Non, 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 non. Non, c'est pas une bonne idée. Mais non, faut pas que je le dise non plus, elle va l'entendre à la TV. Ouais, c'est ça. Non, faut pas en parler. Hein. Tu bonnes, va bien. On tient sa mort. On est tous mariés, nous autres. Hein? C'est quoi le poste? On le pogne-tu à Trois-Rivières? Oui, c'est Internet. T'es pas obligé de dire à ma blonde. Hey, Joe, lâche-toi lousse. Je me lâche lousse? Ouais. Non. Fais ce que ta blonde. Enlève ta chemise. Calme-toi. Lâche-toi lousse. Et suis toi le front avec, ou pas? J'aime ça, moi, les gars, les chapeaux qui combat, je m'aime! Est-ce que t'es con, man? Hey, j'ai une de mes chansons, imaginez-vous donc. Une de mes tunes à moi que j'avais mis sur YouTube, pis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais aller voir. Vous connaissez YouTube, hein? Les vidéos. J'ai dit, je vais aller voir sur YouTube qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays. S'il y a du country, la musique country, à part des États-Unis, bien sûr. Vous savez qu'aux États, c'est très, 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 très hot. C'est très anglophone. Très hot anglophone, oui. Anglophone. Mais ma tune aussi est anglophone. Oui. Tu le dis, est anglophone. Puis là, je suis allé voir sur YouTube. Je voulais aller voir dans d'autres pays, comme j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là-bas. J'ai dit, je vais essayer en France. Fait que je suis allé marquer musique country en France. Là, il a apparu plein de petites vidéos. Hein? Vous savez comment ça fonctionne. Il y a plein de petites vidéos qui apparaissent. Fait que là, c'est toutes des affaires de la France. Fait que là, je regarde, puis je descends ça, puis je regarde tranquillement, puis je cherche quelque chose qui va me taper à l'œil
des petites vidéos, tu sais, c'est écrit de même, là. Là, à un moment donné, je voyais une scène, comme ici, semblable ici. Plein de public. Puis là, il y a des danseurs sur la scène avec des chapeaux de cow-boy. Fait que je me suis dit, oh, il y a du country en France. Fait que là, je pèse là-dessus. Ça commence. La scène, quand ça commence, la scène est vide. Là, il y a une dame qui embarque sur la scène, une Française. Puis elle dit, bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue au Cavalier du Soleil, directement d'ici, du sud de la France. Nous avons pour vous ce soir des chorégraphies des danseurs de la France. Puis là, il y a des danseurs qui embarquent sa scène. Puis elle dit, ils vont faire une chorégraphie sur une chanson d'un petit Canadien, Jonathan Godin. Colis, c'est moi, ça. Je vous jure, j'ai tombé là-dessus. C'est vrai? Ouais. Tombé là-dessus au hasard, comme ça, sans le savoir. Fait que là, je marque en dessous de la vidéo, j'ai dit, hey, c'est moi, Jonathan Godin. J'étais tout content, moi, là. Il dansait sur mes chansons. Fait que là, la madame, elle me dit, elle m'écrit, donne-moi ton numéro de téléphone. Fait que là, elle donne mon numéro. Elle m'a rejoint. Elle m'appelle. Elle a dit, bonjour, Jonathan. J'ai dit, bonjour. J'ai dit, ça va? J'ai dit, utilisez-vous mes chansons souvent comme ça en France? Elle dit, on gagne tous les concours avec vos chansons en France dans les danses. Elle me dit, elle me shoot tout de même, elle dit, est-ce que vous voulez déjeuner? Là, je dis, que c'est déjeuner? Elle dit, on aimerait aller déjeuner avec vous? J'ai dit, ça va pas bien, là, je suis pas en France, moi, là. Ben, imaginez-vous donc, ils ont tous sauté dans l'avion et sont venus déjeuner avec moi 2 semaines après. Deux ubicunes. Deux ubicunes. Les gars, c'est pas pour vous casser le party. Elle est venue de la France. Oui, mais c'est pas pour vous casser le party. Mais est-ce que vous aimez le groupe? Ah, je voudrais qu'on les applaudisse à Yves. Tu sais, du beau travail. J'aimerais ça que tu nous présentes ta gang à toi. OK, je vais commencer. Bon, on commence par les invités par politesse d'habitude. Hein? OK, à ma gauche ici, à votre droite, M. Jonathan Godin. Ouais! Hello, hello! Si vous voulez des albums, t'en as 2-3. Hey, puis imaginez-vous donc, aujourd'hui, j'ai sorti mon nouveau CD. Il est sorti. Tu l'as-tu? Je l'ai avec moi. Bon, si vous voulez des albums, une couple de copies. Vous irez le voir après l'émission. Ouais. Monsieur Jonathan Godin. Merci. Ici, à ma gauche, je te présente sous quel nom, toi, là? Stéphane Bélanger. Okay, Stéphane Fallu? Stéphane Bélanger. Non, Bélanger. Stéphane Bélanger. Ah, monsieur Stéphane Bélanger, humoriste de la région de Trois-Rivières. Et à ma droite, nul autre que Réal Dupuis, du duo Réal et Manon. Yes, sir. Merci de ton invitation, Yves. Ça me fait plaisir. Bon, je t'ai remis ça pour l'année prochaine à Drummond. Yes. Dans ton coin, ça. Et de Drummondville encore, en arrière ici, mon lead guitare, M. Christian Demers. Yeah! Qui Merci. Fait partie de la formation des Honky Tonk Boys. Et celui du centre, ce n'est pas Steven Seagal. Oh. C'est vraiment Louis Bergeron, mon drummer. Yeah! Hey, sais-tu qu'il y a du monde de Drummond à soir en oui. temps? Hein? Puis c'est nous autres qui inventons. OK, mon bassiste à l'arrière gauche, mon bassiste, M. Robert Bob Sawyer. C'est Bob. B-O-B-E. Oh, mon Dieu! Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Yves Gagnon! Yves Gagnon! Yeah! Hey! Bravo, Yves. C'est un plaisir. Quel beau travail pour terminer l'émission, parce que nous autres, on doit se quitter. Merci d'avoir été là, vous, à la maison. J'espère que vous avez passé du bon temps avec ces bons gars. Alors, ils sont vraiment formidables. Et pour terminer ça, que, Jonathan, tu étais en France, toi, là, t'as pas... Ouais, ben là, je suis plus en France, là, je suis OK. Non, mais on va finir avec une toune qu'on va toute chanter, puis il va la faire après. OK, parfait. Parce que c'est une idée de Réal. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Thierry et Jacob. Merci à vous, le public présent. On vous applaudit. Puis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye. Merci. Allez, les gars, du beau travail. Almost even. West Virginia, Blue Ridge Mountains, San Antonio River.
love is older, older than trees, young and their mountain, blooming like a breeze. The country road, take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. And rob my eyes. Country road, take me.